这次来我们主要是通过就是欧洲的拉链，我们去了葡萄牙、西班牙，以及到了这个荷兰跟比利时。我们主要是为了备战这个今年十月份的亚洲青年锦标赛的决赛，也就是意味着能否拿到进军世青赛的资格，应该是非常不错。因为到这里来，因为对我们而言能够期待着与一直参加欧冠球队的比赛，我们是非常期待的。同样比赛的过程也能看到安德莱赫的球队是非常不错的一场非常非常好的比赛。因为中国人一直都非常喜欢足球，那么现在呢，随着国家的领导人重视啊，以及这个经济的这个增长呢，所以越来越多人参与以及喜欢这项运动。Le but du jeu était pour nous de faire jouer des joueurs qui étaient en manque de rythme. Donc que ce soit des joueurs du noyau U19, des joueurs du noyau U21, voire des joueurs qui viennent d'être transférés. Il fallait que ces joueurs aient du rythme, donc jouent un match contre un adversaire de qualité. Le RSCA, je trouve qu'on a eu un engagement vraiment total, de la bonne volonté. On a joué contre une équipe qui était très 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 athlétique. Donc ça c'est intéressant, on n'a pas eu de phase où on a eu facile. Donc on a toujours dû prendre le ballon, jouer au football, mettre le ballon par terre. Et on a dû toujours anticiper la perte de balles. Donc ça je trouve intéressant, le rythme et le fait que les reconversions et les duels étaient présents.